à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le cours de tricot de chaussettes numéro 4. Alors après avoir tricoté des chaussettes de la pointe vers le mollet, on a tricoté avec des doubles pointes, on a tricoté en magic loop, on a tricoté avec un tout petit câble de 9 pouces. Et bien aujourd'hui je vous propose, avec Alice Hammer, encore une fois, de tricoter cette fois-ci des chaussettes où on termine par le talon. Donc en anglais ça s'appelle des aftershot heel socks. Et en français, ben, ça s'appelle des chaussettes aux talons après coup. C'est ce que j'ai pu voir sur le net. Donc je ne sais pas si vous avez une autre façon de les nommer. N'hésitez pas à me le dire. Alors, pour ce faire, on va tricoter du mollet vers la pointe du pied. Le talon se fera à la fin. Et Alice a ajouté un petit truc. C'est qu'en fait, on va faire la pointe du pied en rang raccourci à l'allemande. Cette fois-ci, ce ne sera pas le talon qui sera en raccourci à l'allemande. Et en fait, le grafting du pied, oups, il se fait en dessous, ici. En dessous du pied. Voilà, donc, petite subtilité. Le patron, Alice, l'a écrit pour une taille enfant. Donc, je ne sais plus de quelle taille à quelle taille ça va, mais c'est pour des enfants. Après, si vous avez déjà suivi les cours 1, 2 et 3, où c'était des patrons pour adultes, c'est assez simple d'adapter. Moi, personnellement, je les ai faites pour moi. Je fais du 38, donc j'ai monté 60 mailles, comme pour les cours précédents, parce qu'en fait, j'ai utilisé encore un fil à chaussettes qui se tricote en 2,25. Et 60 mailles, c'était très bien. Et en plus, après, c'est l'avantage quand on tricote les chaussettes pour soi, c'est que on les essaye au fur et à mesure. Enfin, parce que je reprends mes bonnes habitudes et je vous montre en Magic Loop. Ce qui me permet d'essayer mes chaussettes au fur et à mesure. Et du coup, pour adapter, c'est quand même assez simple. On les essaye, on voit à quel moment c'est bon, on a assez de mollets, on va pouvoir passer à la tranche du pied. Et puis, une fois qu'on a essayé et qu'on voit ce qui reste, on passe à la pointe, quoi. Donc voilà, je vous propose d'attraper votre matériel. Et on est parti, on monte les mailles. Pour le montage des mailles, on utilise encore une fois l'alternate cable cast on, donc le montage des mailles alterné. Il est très pratique parce que c'est ce que je vous ai dit à chaque cours où on l'a utilisé, c'est qu'en fait c'est un montage qui est élastique, donc au niveau du mollet ça permet de bien tenir et que les chaussettes elles ne glissent pas sur les chevilles. Alors pour commencer, on prend son fil, donc on laisse un petit peu de fil pour pouvoir après le passer sur une aiguille à laine et rentrer une fois qu'on aura terminé son ouvrage. On va faire un nœud coulant, donc pour le nœud coulant, je passe le fil comme ceci autour de mon doigt, je sors ma boucle et je passe le fil au travers et en fait là directement avec mon aiguille j'attrape le fil et je resserre autour. Donc ça c'est ma première maille. La deuxième maille que je vais réaliser, c'est la seule fois où on va faire ce que je vais vous montrer, c'est pour préparer en fait le montage alterné. Donc je fais comme si je piquais ma maille pour tricoter à l'endroit. Donc je suis comme ceci, je tricote la maille à l'endroit, mais là au lieu de faire tomber le fil comme on fait quand on tricote à l'endroit, je tire ici et avec mon aiguille gauche je vais passer par devant et au milieu. Comme ça, j'ai ma deuxième maille qui est montée sur mon aiguille gauche. A partir de là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui va être répété tout du long. Donc là, moi je vous disais, moi j'ai monté 60 mailles pour mes chaussettes en 38. Je prends mon aiguille droite, je la pique au travers, mais vraiment au milieu des deux mailles. Donc je suis ici, comme ceci, elle ressort de chaque côté. Et si je vous monte par en dessous, hop, comme ça. Là, je vais faire comme si je tricotais à l'endroit. Tac, je ressors ma maille du coup entre les deux mailles que j'avais montées précédemment. Avec l'aiguille gauche, à nouveau, je passe au travers et au milieu. Donc là, j'ai trois mailles. Je prends mon aiguille droite. Et là, vu qu'on parle de montage alterné, il va falloir faire comme à l'envers. Donc je pique au travers dans ce sens-là. Pas comme si je tricotais à l'envers, je fais hop, comme ceci, je passe mon fil, et ici je... Alors ce montage, franchement, le truc à l'envers, il est hyper pénible, c'est dur pour moi de vous le montrer parce que j'ai tendance à attirer l'ouvrage vers moi, mais pour rester sur la vidéo, il faut pas que je le fasse, alors je recommence. Donc du coup, vous verrez si vous galérez aussi, mais en fait c'est normal, hein, voilà. Il y a des fois, je préfère vous cacher les moments de galère, mais là, je pense que c'est important de vous le montrer pour que vous compreniez que ce montage, il n'est pas toujours évident. Après, une fois qu'on a compris le truc, ça se fait, hein, c'est pas le souci, mais... Donc là, je ressors mon fil par derrière. Eh, mais sérieux, quoi. Alors, on recommence. Hop, parce que le fil, il est fin, et du coup, c'est vrai que... Vous allez vous moquer de moi, mais tant pis. Donc là, je suis ici. En fait, j'essaye de tenir avec mon pouce pour ressortir, voilà, correctement le fil.
Donc là, il est là, il est ressorti. Et avec mon aiguille gauche, en fait, là, je passe directement au milieu de la maille pour attraper mon fil. Et je vais recommencer à l'endroit. Et alors, une petite astuce, quand le fil qui est lié à la plotte, il vient vers vous, c'est qu'il faut piquer vers l'endroit. Et vous verrez après, tout à l'heure, il sera vers l'arrière, c'est qu'il faut piquer par l'arrière. C'est une astuce, parce que comme ça, si vous posez votre ouvrage en plein milieu du montage, vous savez où vous en êtes. Bon, après, vous pouvez aussi compter les mailles, impair et compagnie, mais c'est quand même pratique. Donc, ici, je pique au travers, je passe mon fil, je le ressors, avec l'aiguille gauche, par devant et au milieu. Et ici, donc, je passe, là, vous voyez, mon fil, il est naturellement, il vient derrière, donc, hop, je pique ici, au travers. Attendez, parce que je vois pas trop ce que je fais, là. Tac, je passe au travers de mes deux mailles, voilà, comme ceci, je fais comme une maille envers, tac. Voilà, vous voyez, des fois, ça marche mieux que d'autres. Et je pique, hop, directement au milieu. Et donc, je vais répéter ça jusqu'à temps que j'ai 60 mailles. Et quand on a 60 mailles, je vous retrouve pour faire les côtes 1-1. A tout de suite. Alors, une fois que vous avez monté vos mailles, on va tricoter des côtes. Parce que, en fait, c'est pareil, c'est toujours dans le même principe d'avoir un peu quelque chose qui soit élastique au niveau du mollet pour que ça tienne. On va faire des côtes 1-1. Et étant donné que je vous ai montré à peu près toutes les techniques que je connaissais pour tricoter en rond, je reprends mes premières amours, c'est-à-dire le Magic Loop. Après, rien ne vous empêche, si vous préférez tricoter avec des aiguilles de 9 pouces ou avec des doubles pointes, libre à vous. Donc, pour le Magic Loop, en fait, on sépare nos mailles en deux. Donc là, moi, j'en ai monté 60, donc il m'en faut 30 de chaque côté. J'aurais un peu pu les compter avant de faire la vidéo, ça aurait été mieux. 3, 10, 3... 6, hop, 20, 3, 6 et 30. Donc 30 c'est ici. Du coup, ce que je fais, c'est que je glisse sur mon câble. Là où c'est 30, je fais ressortir tac, 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 le câble entre tout ça. Et en fait, le principe du Magic Loop, c'est qu'on tricote par moitié de rang. Donc, pour fermer, on va commencer à tricoter ce côté-là. Donc, le côté qu'on tricote, il doit être sur la pointe, et le côté qu'on ne tricote pas, il est ben, sur le câble. Donc ça, je le tricote pas, je le mets sur le câble. Ça, je dois le tricoter. Je l'enfile sur la pointe. Un point important à faire attention quand on est en Magic Loop, c'est de ne pas vriller les mailles qui sont montées, parce que si jamais vous les vrillez, vous avez ce qu'on appelle un anneau de Möbius. Alors, dans l'absolu, c'est très joli, un anneau de Möbius, mais le problème, c'est que ça ne finit jamais par faire un tube. Pour des chaussettes, c'est un petit peu gênant. Donc, à vérifier, le bas du montage, il doit être hop, bien comme il faut. Donc là, je suis bon. Je suis bon, ça ne se dit pas du tout, en fait. C'est bon, ça sera beaucoup plus français. Alors, je tire un peu mon câble pour avoir du mou pour pouvoir tricoter. J'ai mon fil qui est comme ceci. Je pique dans ma première maille, là. Et de côte 1-1, c'est une maille en droit, une maille envers. Donc, l'élément important à faire attention... que ce soit en Magic Loop ou même en double pointe, hein, c'est que quand on change de côté, il faut bien tirer la première maille au niveau du changement de côté pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des échelles, c'est-à-dire que ça fait des petits traits qu'on voit qui sont un peu disgracieux. Donc là, je fais ma première maille et en fait, je la serre bien avec mon fil. Donc là, j'ai une maille en droit. Hop, je passe mon fil entre les deux, une maille en vert. Et je vais répéter ça pour avoir donc mes côtes 1-1. Donc un rang c'est ça plus ça, très important. Et donc on va tricoter en côte 1-1 pendant 2 cm. Et une fois qu'on a fini les côtes 1-1, on va faire du jersey. Et l'avantage en aiguille circulaire, c'est que le jersey ce n'est que du rang en droit, puisqu'en fait on est toujours sur la face en droit de son ouvrage. Donc on tricote à l'endroit tout le temps. Et si vous souhaitez adapter le patron, sachez qu'il faut vous arrêter... avant de faire la démarcation pour montrer le talon, quand vous arrivez, que votre ouvrage vous l'essayez, vous arrivez au niveau de la cheville, en fait juste au-dessus du talon. Donc je ne peux pas vous dire en centimètres combien ça fait, parce qu'en fait ça dépend si vous voulez que vos chaussettes soient plus ou moins hautes. Mais si on reprend mon ouvrage, hop, qui est ici, en fait quand vous avez tricoté donc les côtes 1-1, vous passez en jersey. Et voilà, moi j'ai à peu près, enfin si on prend ma main, ça fait presque une hauteur de main en fait.
avant de faire la démarcation. Donc je vous laisse tricoter vos côtes 1-1, continuer en jersey, et puis on se retrouve au moment où il faudra faire la démarcation. Donc, ce que je vous ai dit, hein, c'est pas, on va pas faire le talon, c'est juste la démarcation pour montrer où on fera le talon une fois qu'on aura fini nos chaussettes. Donc mon tricot, et puis quand vous en êtes là, on reprend ensemble la suite. Alors, une fois que vous avez tricoté toute la partie qui concerne le mollet, on arrive au moment du talon. Alors, le patron, pour rappel, c'est un patron où on tricote le talon dernier. Donc, on parle talon après coup, on peut dire en français, sinon c'est le afterthought heel. Vu qu'on va le tricoter après, on ne va pas le tricoter maintenant. Hein, jusque-là, ça, vous êtes d'accord avec moi. Mais par contre, il va falloir savoir où est-ce qu'on va le tricoter, une fois qu'on aura fini tout le reste. Donc, pour déterminer où est-ce qu'on va le tricoter, on va le marquer avec un fil contrastant, c'est plus facile à retrouver. Donc moi, il s'avère que je vais le tricoter avec ce fil-là, et qu'en plus, bah c'est pour la fantaisie, moi le talon, je le tricoterai de la même couleur, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Hein. Le plus important, c'est de prendre le fil contrastant, et après le talon, vous le tricotez de la couleur que vous voulez, ou la même que ce que vous avez là, ou une autre, pour faire un truc un peu fantaisie, mais il n'y a pas de... il n'y a pas d'obligation. Alors, vous allez voir que pour ce point-là, je fais un petit peu différemment de ce qu'explique Alice dans son patron, parce qu'en fait elle explique de tricoter ce fil là avec les aiguilles que vous avez en cours, et du coup vous êtes obligé de couper le fil que vous avez utilisé jusque là et de le reprendre après. Moi j'aime pas trop couper les fils et les rentrer, donc ce que je fais, c'est que j'utilise, alors normalement une aiguille droite, mais là j'avais les circulaires sous la main donc ça fera le job aussi, parce que c'est juste pour tricoter un peu. Donc je vous montre comment je fais. Hop, je reprends mes fils. Hop là, je m'arrête ici. Donc avec ce fil là, je laisse un petit peu de mou. Ça, vous n'allez pas le rentrer, hein, ce fil là. En fait, vous allez le réutiliser, enfin vous allez l'utiliser après pour retrouver votre démarcation, c'est tout, vous en faites rien, quoi. Donc avec mon aiguille circulaire, mais franchement, si vous avez des doubles pointes, prenez plutôt des doubles pointes, ça sert à rien les circulaires. C'est plus encombrant qu'autre chose pour cette partie là. C'est juste que j'ai que ça sous la main, c'est tout. Donc, je laisse un petit bout, c'est juste pour pas que le fil il sauve. Hop. Et là, je vais tricoter la moitié du rang avec ce fil contrastant. Tac. Donc, on a 30 mailles à tricoter comme ça. Hop. Donc là, j'arrive à la fin de ma moitié de rang. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, les aiguilles que j'ai montées ici, je vais tirer mon aiguille. Donc si vous avez des doubles pointes, il y a moins de tirer, hein, c'est plus simple. Je les passe de l'autre côté. Ici. Le fil qui est là, j'en ai plus besoin. Donc je le coupe. Je laisse pareil, une petite longueur comme ça, ça suffit. Et du coup, en fait, je vais reprendre mon tricot pour le... Donc c'est toute la partie qui est au niveau du pied, en fait. Ici, avec le fil que j'avais déjà utilisé jusque-là. Donc là, faites attention, moi ce que je fais, je retire toujours un petit peu, hein, pour éviter que ça sauve et que les mailles elles soient trop lâches. Et en fait, je vais vous montrer, quand j'arrive au bout de ce demi-rang, bah, l'aiguille... Donc là, circulaire que j'ai utilisée comme accessoire, j'en ai plus besoin. Donc je vais la sortir. Hop. Donc là, j'arrive à la fin de mon demi-rang. Je tricote. Et là, du coup, hop, cette aiguille-là, j'en ai plus besoin. Je la remets de côté. Et en fait, je me retrouve à avoir tricoté la première moitié du rang. Et je vais continuer. Hop. Ma deuxième moitié. Et je vais tricoter ainsi en jersey jusqu'à avoir... Alors, le patron d'Alice, pour mémoire, il est tricoté pour une taille enfant. Moi, je l'ai adapté à mon pied pour une taille adulte. Donc, ce que vous faites, vu qu'on est avec des circulaires, c'est que vous essayez votre chaussette. Ce fil-là, vous le mettez en dessous de votre talon. Mais vraiment la partie en dessous du talon, quoi, enfin là. Et vous tricotez jusqu'à arriver avant le début des doigts de pied. Et quand vous êtes à cette distance-là, là, on va attaquer le bout du pied. Donc, je vous retrouve à ce moment-là, le bout du pied qui sera fait
en rang raccourci à l'allemande, une technique qui a déjà été vue dans certains des cours précédents. Donc si vous avez suivi les cours précédents, il n'y aura pas trop de nouveautés de ce point de vue-là, c'est juste qu'on la fera en bout de pied. Voilà, donc maintenant je vous laisse continuer votre jersey en rond jusqu'à arriver au niveau des doigts de pied et on se retrouve pour la pointe du pied. Alors, maintenant qu'on a tricoté tout notre dessous du pied, il est temps de faire la pointe du pied. Alors, pour cela, on va utiliser les rangs raccourcis à l'allemande. Alors, si vous avez suivi les premiers cours de tricot de chaussettes, vous savez que pour le cours numéro 1 et le cours numéro 3, les rangs raccourcis à l'allemande avaient été utilisés pour faire le talon. Et bien là, non, on va l'utiliser pour faire le bout du pied. Alors, pour cela, le principe des rangs raccourcis, que ce soit à l'allemande ou pas, c'est qu'en fait, on ne tricote pas toutes les mailles du rang. Au fur et à mesure, on va laisser des mailles de côté pour faire la partie des diminutions et former jusqu'à la pointe. Et après, on reprend ces mailles qui ont été laissées en attente pour refaire une zone d'augmentation. Et en fait, la zone qui va être ici, elle va être graftée à la fin parce qu'en fait, votre pointe de pied, elle va être comme ceci en fait. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais elle va être comme ça. Et du coup, il faudra rassembler la fin de la pointe avec le dessous du pied. Ouais, ça va faire 30 mailles à grafter, c'est hyper cool. Donc, les rangs raccourcis à l'allemande. On va tricoter uniquement sur le dessus du pied. Le dessous, on le laisse en attente. Donc du coup, hop, je repasse mon aiguille comme ceci. Vu qu'on veut maintenir le point en jersey, notre premier rang, il va être à l'envers. Alors, comment on procède? Les rangs raccourcis à l'allemande. Je glisse ma première maille en ayant, donc à l'envers, en ayant le fil devant moi. Hop, je la glisse. Et en fait, ici, je la tire très fort et je repasse le fil vers le devant. Et là, je tricote, c'est le premier rang, toutes les mailles du rang jusqu'à la fin. Enfin, du demi-rang, parce qu'on a bien dit qu'on laissait en attente toutes les mailles du dessous du pied. Donc là, ce qui devient mon rang, c'est en fait un demi-rang. Alors. Donc là, hop, je termine les dernières mailles du rang. Je retourne l'ouvrage. Et à nouveau, je vais glisser la première maille du rang, donc toujours à l'envers. Donc je remets mon fil devant l'aiguille. Je la glisse à l'envers. Et je tire sur le fil pour le ramener vers l'arrière. Là, je suis sur un rang droit, donc contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas besoin de ramener le fil devant. Par contre, je le tire bien vers l'arrière pour que ça fasse les deux petites pattes que vous voyez ici. Et là, cette fois-ci, je vais tricoter toutes les mailles sauf une. Et en fait, c'est ce qui va se passer à chaque rang. Je vais tricoter toutes les mailles jusqu'à la dernière maille qui a été travaillée, on va dire. Donc à chaque fois, je vais retirer une maille de mon rang. Donc là, au début, j'en avais 30, après j'en ai 29, 28, 27 et ainsi de suite. Et on va procéder comme ceci jusqu'à ce qu'on ait 10 mailles travaillées d'un côté, les 10 mailles du centre qui soient entre guillemets normales et les 10 mailles encore suivantes qui soient travaillées. Et une fois qu'on aura atteint ces 3 groupes de 10 mailles, on va passer à la deuxième partie de la pointe du pied. On va récupérer toutes les mailles qu'on avait laissées en attente. Donc là, je vous montre. Je suis ici. Tac. Et ça, en fait, c'est ma dernière maille du rang. Et ça, c'est ma maille travaillée. Vous voyez, elle est un peu étrange. Elle a les deux pattes. C'est ma maille travaillée. Donc celle-là, je ne la tricote pas. Je retourne mon ouvrage. Je suis sur l'envers. Donc comme tout à l'heure, je glisse la première maille du rang. Donc là, je tire mon fil pour avoir les deux pattes qui soient visibles. Je le ramène devant puisque je suis sur l'envers, il faut que je tricote à l'envers. Et je travaille toutes mes mailles à l'envers. Et là, pareil, jusqu'à ce qu'il en reste que la maille travaillée qui sera, hop, je vous montre, celle-ci en fait. Ça fait des mailles qui sont un petit peu bizarres parce qu'elles sont comme doubles finalement. Et donc là, on va procéder comme ceci, parce que c'est ce que je vous disais. Jusqu'à ce qu'on ait les trois groupes de 10 mailles et je vous retrouve à ce moment-là pour la deuxième partie de la pointe du pied. Alors là, ça y est, j'ai terminé la première phase
des rangs raccourcis à l'allemande, c'est-à-dire que j'ai tricoté en laissant de côté une maille à chaque rang. Donc j'en ai 10 qui sont travaillés ici, 10 qui sont travaillés là, et hop, les 10 centrales qui n'ont pas été travaillées. Le principe maintenant, ça va être de récupérer toutes ces mailles et de les réintégrer pour former la pointe du pied. Donc là, j'ai fini sur un rang droit, hop, je retourne mon ouvrage. La première maille, on va continuer à la travailler comme les rangs précédents. Ça ne change pas. Par contre, c'est à la fin où on va réintégrer une maille de plus. Donc ici, je suis sur l'arrière, je glisse ma maille, hop, je repasse mon fil. Ça n'a pas changé. Et là, en fait, je tricote mes 9 mailles à l'envers. Tac. Et en fait, je vais en réintégrer une dixième qui est une maille qui a été travaillée, donc celles qui ont les deux pieds. Et pour ne surtout pas ajouter les mailles, donc là j'en suis là, il faut bien tout tricoter d'un seul coup. Donc je passe mon aiguille et j'ai bien les deux pieds là. Hop. Parce que si vous tricotez un pied puis l'autre, bah, vous allez faire des augmentations, c'est pas trop ce qu'on veut. Hein. On veut rester sur notre nombre de mailles fixe hein, à la fin. Donc hop, oula, n'importe quoi. On recommence, tac, voilà, et je tricote à l'envers mes deux mailles. Ensuite, je retourne. Je vous disais, on continue comme tout à l'heure. Donc, je repasse mon fil devant. Je glisse ma maille à l'envers. Je tire ici, comme tout à l'heure. Et là, je vais tricoter toutes mes mailles qui ne sont pas travaillées. Hop. Et quand j'arrive aux mailles qui sont travaillées, en fait, je vais en récupérer deux parce que j'ai la première maille du rang tout à l'heure et la première maille qui avait été laissée toute seule. Donc ça c'est ma dernière maille non travaillée, ça c'est la première maille qu'on a tricotée à l'instant, au rang précédent pardon. Donc là c'est pareil, je tricote les deux pieds en même temps, donc hop, comme ceci, et je tricote celle qui avait été laissée de côté tout à l'heure, donc hop, à nouveau, et je vais répéter ça tout du long jusqu'à avoir à nouveau toutes mes 30 mailles sur mon aiguille en fait. Donc là, je vous remontre encore une fois, je suis à l'envers, donc hop, je tire, je ramène, je tricote mes mailles jusqu'à ce que je tombe sur les mailles travaillées, et quand j'arrive aux mailles travaillées, c'est là que je vais reprendre la première maille du rang précédent et celle qui était restée toute seule. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de compter vos mailles parce que c'est toujours, on répète toujours la même chose en fait. Donc en plus, ce que vous pouvez voir, c'est que on a un espace en fait entre la maille qui a été tricotée au rang précédent et celle qui avait été laissée toute seule. Donc en fait, le but, c'est de resserrer les espaces. Donc en fait, à chaque fois que vous tombez sur un espace, vous tricotez avant, après l'espace, et c'est là que vous tournez. Donc là, hop, la maille travaillée et la maille travaillée après l'espace. Et je tourne. Et si je regarde ici, en fait, vous voyez, ça fait la même chose. J'ai toutes mes mailles qui sont, la maille travaillée qui est là, un espace, hop, et la maille travaillée du rang d'avant, qui était toute seule. Et donc je vais faire ça jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait à nouveau 30 mailles sur l'aiguille. Et quand on aura 30 mailles sur l'aiguille, on aura fini notre bout du pied et il ne nous restera qu'à grafter. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Alors, maintenant que la pointe du pied est terminée, donc hop, ici. Ah oui, juste une petite astuce, sur le dernier rang des rangs raccourcis à l'allemande, la toute première maille, je ne la travaille pas, parce que comme ça permet pour le grafting d'avoir des mailles qui sont identiques de part et d'autre. C'était ma seule remarque. Donc du coup, nous allons attaquer le grafting pour rassembler le dessous du pied avec le reste. Donc, hop, j'enfile toutes mes mailles sur les deux aiguilles. Le principe général du grafting, c'est qu'on utilise une aiguille à coudre pour repasser dans toutes les mailles ici en gardant le motif en jersey et fermer l'ouvrage. Alors sur 30 mailles, autant vous dire que ça fait kiffer Alice, mais pas moi du tout. Alors, pour savoir quelle longueur de fil il faut qu'on laisse, en général ce qui est conseillé c'est 3 à 4 fois.
Moi, j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de fil. Ma pelote, elle en contient beaucoup, donc je préfère être généreuse, je fais au moins 4 fois. Donc ici, on a 8, 4 x 8, 32, donc, oups. J'avoue, je laisse jusqu'à 40. Hop. Comme ça, je suis tranquille. Je prends. Hop là. Une petite aiguille que j'enfile. Sur mon fil. Et alors, bah, comme d'hab, moi j'ai mon anti-sèche parce que le grafting et moi, ça. Même si j'en fais de plus en plus grâce à Alice pour les cours de chaussettes, je ne suis pas encore la grosse experte. Donc de toute façon, comme d'hab, je vous remettrai cette petite anti-sèche dans l'article qui sera en lien sous la vidéo. Alors, on a une étape en fait qui s'appelle l'étape de préparation qui va être faite juste une seule fois. Et après, ce qui sera fait après, c'est ce qu'on répète jusqu'au bout. Alors, l'étape de préparation, c'est qu'on va piquer à l'envers. Donc on rappelle, ça c'est comme si on tricotait à l'endroit, ça c'est comme si on tricotait à l'envers. Donc pour la première maille sur l'aiguille de devant, donc là mon fil je le laisse entre les deux, je le passe comme si je le tricotais à l'envers et je laisse la maille sur l'aiguille et sur l'aiguille arrière je passe le fil comme si, oups, je le tricotais à l'endroit et je le laisse sur l'aiguille. Donc serrez bien à chaque fois parce que autant quand on fait un petit grafting, c'est possible de rattraper en retirant un petit peu légèrement pour avoir quelque chose d'homogène. Autant là sur 30 mailles, si vous laissez un peu trop de mou à chaque fois, pour rattraper derrière, ça va être un petit peu compliqué. Donc après cette étape de préparation, donc ce que je vous disais, ce qu'on va répéter à partir de maintenant, c'est ce qu'il va falloir faire jusqu'au bout. Donc le principe, c'est l'aiguille de devant. Je pique comme si je tricotais à l'endroit, comme ceci, et je fais tomber ma maille de l'aiguille. Je reste sur l'aiguille de devant, je tricote. Je passe mon fil comme si je tricotais à l'envers et je la laisse. Et sur l'aiguille arrière, à l'envers, je laisse tomber, tac. Et à l'endroit. Je laisse et je recommence à l'endroit, je glisse à l'envers, je laisse à l'envers, je glisse. Haha, j'ai mon fil qui est pris dans la bague, c'est franchement bien. Donc là, d'un côté. J'avais fini à l'endroit. J'avais fait à l'envers, je glisse, donc j'en mettais un à l'endroit, je laisse. Et donc bah, je vous laisse répéter ça jusqu'au bout pour grafter. Et quand on aura fini, je vous retrouve pour faire notre talon, qui s'appelle donc le talon après coup, c'est pas pour rien, c'est qu'on fait à la fin. Allez, à tout à l'heure, bon courage pour grafter. Alors, maintenant que j'ai fini ma pointe du pied, il est temps de faire le talon. Alors, pour ça, en fait, on va devoir détricoter cette partie de fil auxiliaire qui ne nous sert à rien. Mais alors, moi, je vous déconseille fortement de vous amuser à détricoter d'un coup et de reprendre les mailles après. C'est un petit peu dangereux. Donc, il y a une technique qui est pas mal pour récupérer les mailles et en plus les placer dans le bon sens. En fait, donc on se place ici. Donc, la pointe du pied, elle est vers le haut. On se place ici, en fait, là, vous voyez, la première maille, ça fait un V. En fait, on va prendre la petite jambe. Donc là, moi, c'est de mon fil violet hein, qui m'intéresse, que je veux récupérer. Le fil bleu canard, là, c'est celui qu'on va laisser tomber. Donc, je récupère la jambe qui est en dessous de ce premier V. Et en fait, je vais faire la même chose sur tous les V suivants. Donc, là, j'ai un premier V. Le deuxième V, il est ici. Je prends la maille, tac,
attention de ne pas prendre le fil auxiliaire avec, et je vais faire ça en fait jusqu'au bout, donc le troisième V, et en fait il faut que je récupère 30 mailles, hein, puisque de toute façon, enfin là, donc, moi j'étais partie sur une base de 30, donc le V encore à côté, et je vais faire ça jusqu'à avoir 30 mailles. Et après, je récupérerai les mailles de l'autre côté. Donc ça, je vous montrerai quand je serai arrivée au bout. Et quand on aura tout récupéré, là, j'enlèverai le fil auxiliaire. Après, enfin, si vous êtes téméraire, allez-y, hein, défaites autrement. Mais moi, franchement, je préfère éviter. En plus, là, je suis sûre d'avoir mes mailles qui sont mises correctement. Ça évite les blagues et on est tranquille, quoi. Donc, je remonte tout ça. On se retrouve au moment où il faut tourner. Donc là, on a remonté la première partie des mailles. Donc ce que je fais, c'est que je tire. Comme ça, j'apaisse sur le fil de l'aiguille. Je retourne. Et en fait, ça va être la même chose de l'autre côté. Donc à partir d'ici, le premier V, il est comme ça. Donc je récupère la première jambe du V qui est ici. Oups, attendez. En fait, c'est ou la première jambe du premier V, ou sinon, si on prend le pic qui est comme ça, c'est la deuxième partie du pic. C'est vous qui voyez ce qui est plus facile. Moi, je préfère me repérer avec les V. Donc, hop, deuxième V, troisième V, et ainsi de suite. Donc, vérifiez bien quand même, hein, quand vous avez fait cette partie-là, que vous avez 30 mailles avant de tourner. Si vous n'avez pas 30 mailles, c'est ou vous en avez loupé une, ou vous n'en avez pas récupéré dès le début ou à la fin au bon endroit. Mais vous ne lancez pas dans une deuxième partie si vous n'avez pas les 30, hein, surtout. Donc là, je vais repiquer toutes mes mailles. Et puis on se retrouve dès qu'on a repiqué toutes les mailles. Donc pareil, en 30 aussi. Donc là, j'ai remonté mes 30 mailles. Donc vu qu'on va tricoter en Magic Loop, je passe tout sur mes câbles. Et en fait, là avec une petite aiguille à laine, ce que je vais faire, c'est là que je vais détricoter en fait le fil qui ne sert à rien. Donc en fait, hop, je le ressors. Et je vais détricoter comme ceci, tout du long. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va, vous voyez, ça forme déjà le trou. C'est là où il y aura le talon. Donc. Bon, moi, je préfère détricoter. Je pense qu'il y a moyen de mettre un coup de ciseau dans le milieu. Moi, j'ai toujours peur, vu que c'est quand même du petit fil, d'aller mettre un coup de ciseau dans les mailles que je viens de remonter. Donc, je préfère perdre un petit peu de temps à détricoter doucement et sûrement que d'aller mettre un coup de ciseau des couilles dans le milieu. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous avez la confiance, je veux dire, n'hésitez pas, c'est vrai que ça fait gagner du temps. Mais perso, je préfère prendre mon temps. Allez, je vous retrouve quand on a fini de détricoter mes mailles. Et voilà, j'ai la place pour faire mon talon. Donc, on reprend en Magic Loop. Alors, moi j'ai décidé de faire le talon d'une autre couleur, mais c'est tout à fait personnel. Je veux dire, vous avez le droit de le faire de la même couleur que le reste de votre chaussette, c'est vous qui voyez. Moi j'avais envie de fantaisie, donc j'ai pris la même couleur que le fil provisoire que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc, le premier rang du talon, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, vu qu'on reprend un nouveau fil, je plie en deux. Comme d'habitude, hein, je laisse suffisamment de fil pour pouvoir rentrer les mailles après. Et je vais faire un premier rang tout à l'endroit. Et on m'a vu que c'est un talon, il faut faire des diminutions, on est bien d'accord. Donc à partir du deuxième rang, et en fait tous les deux rangs, on va faire des diminutions de part et d'autre du talon sur le dessus et le dessous, enfin au niveau du mollet, au niveau du dessous du pied, qui vont être répartis à une maille du bord avec. Pour avoir de façon symétrique les diminutions, on commencera par un GGT, donc glisser, glisser, tricoter, le SSK en anglais, hein, pour ceux qui tricotent un peu en anglais, et les deux mailles ensemble de l'autre côté. Donc ici je fais donc tout mon premier rang
à l'endroit. Alors quand on arrive sur le côté, éventuellement, selon le fil que vous utilisez, si vous trouvez que ça fait un trou, moi ce que je fais, c'est que je reprends une maille entre les deux côtés ici. Parce que vous voyez, je trouve que ça fait quand même vachement écarté. Et si je reprends, même en serrant bien, ça fait un petit trou. Donc je vais vous montrer comment je procède. Et c'est une technique que vous pouvez utiliser aussi pour les autres talons, hein, quand vous faites les talons en rang raccourci à l'allemande. Je pense que c'est une technique que j'avais oublié de donner sur les autres patrons, enfin sur les autres vidéos, mais j'ai tendance à le faire si je trouve que ça va faire trop écarté. Donc en fait, vous voyez ici au milieu, je reprends un fil, je le tire, je le mets sur mon aiguille qui est dans ma main gauche. Et en fait, je vais tricoter les deux en même temps parce que je veux pas d'augmentation. Hein. C'est vraiment, je veux juste reprendre l'entre-deux pour pas avoir de trou. Et ici, hop, je serre bien. Et je termine mon rang. Et éventuellement, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté avant de commencer le rang suivant si vous trouvez que c'est pareil, de façon symétrique, c'est trop écarté. Donc, je termine mon rang complet, donc un rang entier à l'endroit avant de commencer donc les diminutions. Et je vais vous montrer pareil comment. Enfin, c'est vraiment la même chose. Et c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser pour les talons qui se font pas après coup, hein, les talons en rang raccourci. N'hésitez pas. Alors, il y a un truc que je me suis jamais vraiment expliqué, c'est que parfois ça le fait avec certains fils, certaines tailles d'aiguilles, et parfois ça le fait pas. Donc, c'est sans doute pour ça en fait que je voulais pas montrer les fois précédentes, c'est que les fois précédentes ça me l'a pas fait. Et donc voilà. Mais notez l'astuce, elle peut être utile. Donc, je termine mon rang 1, hop, 2 et 3 mailles. Et ici, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est quand même assez écarté. Donc avant de faire ma première maille, je vais faire la même chose. Mais ça, c'est que pour le premier rang. Hein, après, on n'aura plus besoin de le faire. Hein. Donc, hop. Donc là, je reprends ma maille. Je tire un fil au milieu, en fait. Et je vais la tricoter avec la première maille, ici. Donc là, vu que c'est mon fil qui n'est pas accroché, je le retire bien pour éviter qu'il se fasse la maille. Donc là, maintenant, j'entame le rang de diminution, donc à une maille du bord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le GGT en premier, donc je glisse une maille, je glisse la deuxième. Je reprends mes deux mailles avec l'aiguille gauche et je les tricote ensemble. Ça, c'est ma première diminution. Ensuite, ce fil m'agace. Je tricote jusqu'à là. Parce qu'il me reste 3 mailles sur ce demi-rang. Tac. Et quand il me restera 3 mailles, je vais faire 2 mailles ensemble. En fait, GGT et 2 mailles ensemble, c'est comme sur G simple et 2 mailles ensemble. Ça fait des choses symétriques au niveau des diminutions. Vous pouvez en faire que 2 mailles ensemble partout, mais si vous êtes un peu pointilleux et que vous regardez le détail de votre chaussette, ou de n'importe quel autre ouvrage en fait d'ailleurs, vous verrez que c'est. Bah, c'est pas symétrique si on fait 2 mailles ensemble partout. Mais bon, faut aller regarder dans le détail, bien d'accord. Donc ici, il me reste donc 3 mailles. Je fais tout simplement hop, 2 mailles ensemble. Je tricote ma dernière maille. Et sur mon autre moitié de rang, je fais la même chose. Donc au total, sur un rang, j'ai 4 diminutions, 2 de chaque côté, donc toujours à une maille du bord. Donc ici, là, c'est fini, hein. Maintenant que c'est resserré, je ne refais pas la manip de tout à l'heure. Hop. Je tricote ma première maille, j'ai jeté, donc je glisse, et je passe mon aiguille gauche, comme ceci. Et voilà, j'ai ma diminution. Donc là, pareil, je vais aller jusqu'à 3 mailles du bord pour faire les 2 mailles ensemble. Et ces diminutions, donc c'est un rang sur 2. Un rang tout à l'endroit, un rang avec 4 diminutions. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'on ait plus que 10 mailles de chaque côté. Donc 20 mailles au total sur le rang. Et là, on fera encore du grafting pour terminer le talon. Donc bah, je vous laisse avancer. Et puis on se retrouve au moment où il faudra faire du grafting pour terminer le talon. Bon tricot. Et voilà, le talon est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à fermer. Donc pour fermer, on fait quoi? Ben du grafting, hein,
30, je pense que ça vous avait manqué, après le grafting des 30 mailles. Bon, là, il n'y en a que 10, c'est quand même vachement plus sympa. Alors, allez, une piqûre de rappel quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça. La distance, la longueur de fil à laisser, 3 à 4 fois, comme d'habitude. Moi, je fais 4 et en plus, j'en mets plus parce que j'ai toujours peur. Un jour, j'apprendrai à ne pas laisser trop et à faire confiance à la technique. 3 x 4, ça nous fait 12. Comment j'étais trop balèze en maths quand j'étais petite. Je déconne. Et du coup, bah, je laisse même comme ça. Enfin, je laisse aussi plus sur les petites longueurs, parce que c'est quand même plus facile de manier un fil qui est plus long qu'un fil plus petit. Hop. Non, une seule aiguille, ça suffira. Donc, j'enfile. Hop. Dans mon aiguille. Tac. Même si on vient de le faire il n'y a pas très longtemps, j'ai toujours ma petite anti-sèche. On récapépète donc la phase de préparation qui est faite qu'une fois, la suite qu'on répète jusqu'au bout. Donc la phase de préparation sur l'aiguille de devant. Hop là. Je fais comme si je tricotais à l'envers et je laisse ma maille derrière à l'endroit et je laisse. Et à partir de là, ce que je vais faire, je le répète jusqu'au bout, à l'endroit. Hop, je glisse ma maille, je la passe par-dessus, et la maille d'à côté, à l'envers, et je laisse. Derrière, à l'envers, je glisse, et celle d'à côté, à l'endroit, je laisse. Et je continue, à l'endroit. Oups. À l'endroit. Tomber à l'envers. Non, je vous ai dit n'importe quoi. C'est à l'envers, c'est dans l'autre sens. Hein. À l'envers, c'est comme ça. Je laisse. À l'envers, je fais tomber. À l'endroit, je reste. Donc, je le refais encore une fois pour être sûr que je raconte pas de bêtises. Donc, c'est à l'endroit. Je fais tomber. À l'envers, oups, je laisse, à l'envers, je fais tomber, à l'endroit, je laisse. On répète ça, du coup, jusqu'à la fin. Alors. Donc voilà, j'ai terminé mon grafting. À la fin, qu'est-ce que je fais ? Je passe mon fil. Comme ceci. Et après, je retournerai ma chaussette. Oups. Pour rentrer le fil. Donc voilà, vous avez appris à tricoter des chaussettes avec le talon réalisé à la fin. Donc les after sole heel en anglais ou talon après coup en français. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était suffisamment claire. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. La zone des commentaires en dessous de la vidéo est faite pour ça. Si vous êtes sur le blog, bah, y a aussi une zone de commentaires en fin d'article. Donc n'hésitez pas. Ce que je vous conseille quand même, c'est bien de regarder une fois en entier la vidéo et de bien lire le patron avant de vous lancer. Comme ça, si vous avez des questions, bah, ça permet de les poser avant. Et puis d'éviter de se retrouver coincé en cours de route, par exemple. Bon, après, ça arrive aussi de se retrouver coincé en cours de route malgré tout, hein, y a pas de souci. Mais surtout, ouais, j'essaye de répondre rapidement à vos questions pour pas vous laisser coincé pendant un mois sur votre chaussette. Hein. Merci encore à Alice pour son patron. Merci à vous pour votre fidélité, parce que en fait, à l'heure où on est en train de tourner la vidéo, vous êtes plus de 9000 sur la chaîne, et merci. En plus, on a dépassé les 4 millions de vues. Alors, pour ma petite chaîne, ça paraît, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Et donc, je voulais vous remercier. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, ben, soyez sympa quand même dans les commentaires et soyez constructifs surtout. Parce que c'est vrai que c'est important s'il y a des choses qui vous semblent pas bien expliquées, pas claires, enfin, qui vous vont pas, faut le dire aussi. Parce que le but, enfin, c'est que pour les vidéos suivantes, je m'améliore et que je sois plus à votre portée si vous avez l'impression que je suis un peu partie dans des sphères complètement aberrantes. Donc voilà, bah écoutez, merci encore, bon courage et bon tricot. Et n'hésitez pas aussi à partager vos photos de chaussettes sur les réseaux sociaux.
bah, vous les postez sur ma page Facebook, vous mentionnez sur Instagram, peu importe. Moi, j'adore voir ce que vous faites. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont partagé leur réalisation et ça me fait vraiment très plaisir de voir les fils que vous utilisez. Tout ça, je suis très curieuse aussi. Et bon tricot. À bientôt.